C'est surtout mentalement qu'on n'y était pas. On est venu donc avec de bonnes intentions, mais c'est vrai qu'en face, il y avait une équipe qui avait faim de victoire, et puis surtout qui avait envie de rester en Ligue 1. Et puis nous, voilà, on a abordé le match avec beaucoup trop de décontraction. Et puis finalement, on va dire que c'est un score normal, logique. Mais bon, c'est triste de finir sur une note négative, mais en tout cas. J'oublie pas que au mois de décembre, on était, on va dire, dernier, et puis surtout avec 5 points de retard sur le 17e. Et aujourd'hui, c'est un véritable exploit parce que c'est le meilleur classement qu'on a, donc en finissant 12e. On aurait signé tout de suite hein, si on avait su qu'avec la saison qu'on faisait, on serait 12e aujourd'hui. Donc je tiens tout de même à féliciter les joueurs. Ça ne concerne pas que moi, c'est tous les joueurs. C'est-à-dire, moi, on est tous. Aujourd'hui, avec l'idée de partir en vacances, avec le sentiment surtout donc d'avoir été pro, d'avoir fait le boulot, de surtout donc partir avec un club qui est en Ligue 1, bien ancré, parce que ça fait 3 saisons qu'on est en Ligue 1 et voilà, par cette saison où on a lutté difficilement pour nous maintenir, mais voilà, on a toujours bien figuré et ça c'est tout le mérite, hein, on revient aux joueurs parce que ce qu'ils ont fait. C'est un véritable exploit. Quand vous avez 15 points à la fin des matchs aller, je peux vous dire, il y a peu de gens qui ont donné, on va dire, de chance à cette équipe parce que beaucoup de gens nous voyaient en Ligue 2. Et bien sûr, on n'a pas lâché, on a fait un formidable travail. Tous, et à l'arrivée, on est récompensé de nos efforts. Je mentirais si je disais que je pensais qu'on allait être capable de faire ce qu'on fait là parce que la première saison, une montée directe. De National Ligue 2, Ligue 2, Ligue 1. Et puis depuis, donc, bah, 3 maintiens assurés, on va dire, plus ou moins facilement. Donc voilà, tous les ans on a progressé. On avait fini, je crois, 16e. La saison dernière, on a fini 13e. Et cette saison, on finit 12e. C'est que du bonheur. Hein. Parcours fantastique. Et puis un club qui est en train de, je l'espère, s'inscrire dans la durée en Ligue 1. Ça voudrait dire qu'il y a du bon boulot de fait. Et puis surtout, donc, remercier tout ce formidable public de Valenciennes qui nous pousse justement à faire de grandes choses. Donc, voilà un sentiment de satisfaction, surtout, qui m'anime aujourd'hui.